Une femme accusant Bob Dylan de l'avoir agressé sexuellement il y a près de 60 ans, la plaignante, dont seules les initiales, JC, sont mentionnées, indique que les faits se sont déroulés sur une période de 6 semaines, entre avril et mai 1965, alors qu'elle était OG de 12 ans. Le chanteur a abusé de son statut de musicien pour fournir de l'alcool et des drogues à JC, et pour l'agresser sexuellement à plusieurs reprises, soutient la plainte qui accuse également l'artiste d'avoir physiquement menacé la jeune fille. Le montant des dommages intérêts réclamés n'y est pas précis. La plaignante affirme que Bob Dylan lui a causé de graves dégâts psychologiques et un traumatisme émotionnel. Certaines des agressions présumées auraient eu lieu dans l'appartement que Bob Dylan possède à New York, le célèbre Chelsea. Dans un communiqué, le porte-parole de l'artiste d'aujourd'hui, âgé de 80 ans, a déclaré que l'accusation vieille de 56 ans est fausse et sera vivement.